Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Daily. Yon plaisir pour nous joindre dans les ça, pas oublier. Bien bouton subscribe en bas apaiser pour capable de connecter avec nous. Nous pral faire un résumé de ça qui fait déjà nous connaît depuis midi. Boule et nous gagnons et Joe Biden ainsi que Harris Kamala qui est justement venu et respectivement président et vice-président. En pile bagage a changé à 48 heures tout bagage a switch son nom li bien entendu c'est pita ou y a gagné pour prendre direction exactement White House. On nous dit que et t'ai plusieurs artistes qui t'ai participé dans cérémonie ça nous t'ai gagné Jennifer Lopez t'ai gagné Lady Gaga et but t'ai gagné en fait dans tout artiste en fait y en a monde qui marqué y en a monde qui marqué moment ça nous capable dit c'est Amanda Gorman et poète ça de 22 ans pendant 5 minutes li baye yon texte et justement on dit li baye yon texte qui vraiment épaté tout le monde en pile monde a parlé de lui et texte là fait hit à travers les réseaux sociaux tout le monde c'est bah qu'on est et bon regarder si moi ka en fait nous même très tellement nous tap suivre li ensemble avec en fait mais li c'est lui même dans texte là justement c'est vraiment en pile mon retrouver li et il parlait que en dernier si seulement nous était capable gain assez courage pour nous ouais unité ça donc c'est un texte d'espoir un texte vraiment exemplaire. Et en nous parler et sous d'autres points qui caractérisaient et journée ça et on nous dit en nous d'abord discours Joe Biden et lorsque il était fin prêté serment et il parlait de que et Jodia qui représentait jour de la démocratie et jour une journée historique une journée qui baille en pile l'espoir et il pensait que c'est vrai que l'Amérique a été en fait d'accord que la démocratie a été testée il y a en pile tentative mais il y a arrivé porter la victoire et Joe Biden qui dit que eh bien et volonté tout le monde en fait et tout le monde et volonté yo l'attendé yo et il dit que n'a célébré triomphe et jodi a il dit c'est pas victoire de un candidat c'est pas victoire de un monde mais c'est une cause de la démocratie et volonté moun yo arrivé tendé li et nous apprendre que démocratie que c'est un bagage qui précieux ça c'était parole et Joe Biden qui remerciait prédécesseur Lio et en fait pas oublier que il y a un pile l'autre président qui Bush Obama qui était présent au cours de cérémonie ça nous tout connaît que et Donald Trump pas présent et Joe Biden qui dit que li pap chita ap gade et qui gen urgence et que la pèse et kam da di pédale d'accélérateur là pour li agir pour li répondre à besoin urgent yo et de fait monsieur gen aswe là et yo parle près de 17 executive order que l'a gagnen pour le signer li pas prêt à gade et donc li dit justement c'est moment pour nous mener et à nation en tout gedel parler de l'unité l'union en tout monde pour nous et arriver justement renverser défi restaurer parce que son parole qui toujours parler restaurer l'âme de ce pays effectivement gain en bonne valeur et qui définit perdu sous Donald Trump l'unité pour faire face avec et bien et colère la haine l'extrémisme la violence maladie, le chômage, désespoir, c'était bataille, c'était en d'autres termes c'est ça qui en face en fait c'était un discours vraiment fondu que
En pile et républicains saluent discours ça. Ils pensent qu'il est très à propos, puisque c'est vraiment une tentative pour réunir tout le monde. Et Biden qui te prend un moment silence tout pour honorer Saki Murillo. Et monsieur dit pas dim que bagaille pas capable changer, yo capable changer. Et il pensait que dans l'unité n'a pas arrivé faire la paix. Et donc il pensait que nous capable gagner certaines différences et nous surtout retrouver nous dans l'intérêt commun du pays. C'était vraiment un discours. Il pensait que une bonne bagaille pour nous réparer, une bonne bagaille pour nous restaurer, un bon côté, une bonne blessure qui méritait et qui méritait guéri. Et Biden qui dit que lui-même il pral réparer et ça une bagaille que tout le monde connaît petit ça alliance plusieurs alliances et où tu joindre les États-Unis qui étaient isolés repliés sous lui-même ou ensemble d'engagement que la donne d'ailleurs l'Europe ou ensemble de l'autre pays pas compter sous les États-Unis tellement comme partenariat d'ailleurs même c'est comme si m'dadou même un petit cob cap ban je m'ba trop cob ce n'est pas de contribution on comprend c'est Jean discours Donald Trump là ils étaient nous connaissons c'était un politique centriste il dit les États-Unis seulement et comme quoi que le monde était en vase clos et pourtant pas vrai et nous vivons actuellement dans une sorte d'interdépendance qu'on voulait le coup pas voulait ça qui passe dans l'extérieur là la retourner vienne frapper et sous donc j'en ai dit là et déjà là aller Twitter account l'a transitionné sous et 46e après et 40 transitionné de Trump administration to Biden administration c'est ça qui fait qu'on est et maintenant donc dans le moment parle avec ma femme dit nous que effectivement inauguration et cérémonie de prise de serment nous connaît que ça finit au bon moment était en fait nous t'ai gagné dans l'assemblée à et plusieurs et représentants du Supreme Court mais en pile monde pas très marqué Samuel Alito, Clarence Thomas et Stephen Breyer ils t'a posé question ça qui passé la vérité c'est que et trois monde ça a eu en pile l'âge OK so yo même yo voulait faire précaution nous connaît bail là et monde qui yo dans 60 imagine ou, respectivement yo gagne 70 ans l'autre là gagne 72 ans l'autre là gagne 82 ans donc dans souci pour yo pas et contaminé et yo justement décidé et pas de participer donc c'était ça mais parlant de sa femme dit ou que Stephen Breyer et en pile mon a dit 82 ans et grand pile pression y a bali là pour l'état justement et décidé by vague sous administration Joe Biden OK en pile pression pour l'état décidé by vague et je pense que c'est le moment approprié pour ta décider by vague changer OK et parce que nous songer ça qui est arrivé et sous et Donald Trump goumen nous dernier juriste là mort là c'est Donald Trump qui changer donc Breyer qui c'est un monde de la gauche je dis il pas supposé prendre chance étant Biden là pour ta by vague pour être capable mettre et un monde qui beaucoup plus jeune OK donc en pile démocrate et a balle pression en ce sens et plusieurs leaders dans monde là ont réagi nous gagnent et premier ministre japonaise là Yoshihide Suga nous gagnent président chilien Sébastien Piñera tout le monde ça yo grand temps féliciter et Joe Biden nous gagnent président mexicain nous sommes bien président mexicain qui t'a français fréquent élection finie, li vote ko j'aime ka féliciter, li vote ko j'aime ka congratuler Joe Biden. Nous voulons parler Manuel Lopez Obrador et premier ministre Pakistan et premier ministre iranien et le pape Francis tout grand temps voyer congratulation ni. Donc président Andy ça c'est président Joe Biden. Gant envoyé et premier tweet li là premier tweet li, en tant que président premier tweet li il dit there is no time to waste when it's come to tackling the crisis we face donc en clair nous pas gain temps pour nous perdre lorsqu'il s'agit pour nous et eh bien tacler bataille crise n'a fait face là
Et c'est peut-être ça, jeudi, et m'a pralé exactement dans Maison Blanche et pour aller directement travailler et faire un ensemble de actions immédiatement. Vous comprenez? Donc, monsieur dit qu'il y a des immédiatement. By the way, dans l'action immédiate, nous connaissons et on nous dit tout le monde qui a fait souci pour Kaye, ou pas mettre au de pour Kaye, Donald et Joe Biden a étendu sa nouvelle moratoire là. Il y a des gens en pile propriétaire quand t'as envoyé papier pour yo pour dire que vous ne pas boy ici n'importe tirer ton gain de $60 sous payer en retard donc pas de gain bail comme ça même gens tout parce que son bonne nouvelle surtout pour nous mêmes dans student l'onio c'est de manière immédiate et Joe Biden l'a éteint et camper pour ne pas payer ya. Avantage que le gain nous connaît pas gain intérêt cap monter donc c'est ça qu'a fait en attendant bien que nous connaît que il y a travail pour et yo ta submet ça n'ta relé un student loan forgiveness yo ta éliminé un partie dans loan pour nous pour yo voyer dans parlement donc mais en attendant et y a campé justement sous loan yo et donc c'est et fondou pral gagner la prisieur et executive order qui pral prend et website whitehouse.gov gantan relancé pour refléter et président de Joe Biden d'ailleurs website ça depuis 2017 te gen la Casablanca vous comprenez tu avais dit te gen version anglaise version espagnole depuis Donald Trump te monté pas gen bagay comme ça vous comprenez pour pas très connecté écrit Casablanca donc je dis à soit la dani justement ou après version espagnole là donc j'en te dou là en pile et leader républicain et fait louange de discours à l'unité que Joe Biden lancé en pile prononcé ou gen Mitt Romney ou gen sénateur Lisa Miss Markowski ou gen Susan Collin ou gen et plusieurs autres encore qui pensaient que c'est un discours approprié mais déjà m'te dit nous que gagné à peu près 17 députés ça pas fait souvent on compte députés au plus influents yo pas gen même pouvoir gen 17 députés républicains qui voyons lettre côté que promettre collaboration avec Joe Biden. C'est et vont nous que 17 députés ça reprend et prend courage à demain m'a parlé de députés républicains ça m'a aidé à comprendre l'on parle de députés yo plus ou moins yo ka influencer au plus pas dire que l'autre dit député c'est un district c'est une zone donc gain en pile influence pour des d'autres leaders que ce soit au niveau de parti que ce soit Donald Trump pour ta utiliser pouvoir pour mettre stop yo les voye dans primaire donc sous jeune nous députés qui sensible pour positionner et qui parle la nation la difficile pour prendre position ça yo et ça va dépendre tout gain des zones li sorti tout qui plus ou moins il pas ni républicain il pas ni démocrate donc c'est féliciter le fait que 17 députés républicains qui dit yo promet pour travail et de concert d'ailleurs il y a vraiment gain un député qui était voté pour impeach Donald Trump. Il dit lui-même qu'on ça le fait, c'est que il sort perdu job lui, mais il prend responsabilité lui, OK, c'est ça que il te fait comprendre. Et il connaît qu'a perdu job lui, mais dit que c'est constitution d'abord et il pensait que ça Donald Trump te fait à mériter pour te impeach. Et premier bagage Biden signé déjà dans moment, il pas signé executive order non, il signé inauguration proclamation day, c'est des de bagage formel ou supposé faire li signé tout et tout cabinet nous connaît tout ministre que li nommé officiellement li signé pour ça et maintenant faut nous dire d'autres nouvelles qui fait il y a un président français tout qui welcome li d'accord il welcome le fait que les États-Unis tournent back et dans l'accord de Paris OK et maintenant, nous allons porter quelques derniers updates parce que pour après ça, des trois dernières actions que Donald Trump fait, que nous pouvons parler de yo, n'a rien pour nous venir en l'autre rubrique pour nous parler dernier bagaille que Donald Trump a signé et avant d'y aller. Donc, pensez-vous que et assuré à tout pour aller gagner et Joe Biden sûrement vers les 5 heures. Il a supposé aller dans la Maison Blanche pour aller signer et executive order yo et maintenant moment on a parlé là sûrement yo trouvé yo et librement ensemble avec
Barack Obama et Clinton Bush et nan sandarele on cérémonie au niveau de cimetière côté que y a salué sa ki bay vie yo pou peyi a et yo rele li tombe de unknown soldier le soldat inconnu c'est nan Arlington National Cemetery nan cimetière national de Arlington et plusieurs autres et autorités dans le monde là nous gagnons président palestinien qui la Palestine président palestinien qui congratule Biden et maintenant et est-ce que Jovenel voyez congratulations déjà nous beaucoup connaît mais déjà on dit que gagné McCarthy qui c'est leader minorité et on dit leader républicain au niveau de chambre députée là et qui invité et Joe Biden et en nous travaille ensemble et donc il dit en tant que leader l'a jugé lui et non par ça dit mais par action dit en nous et parti de un point à un autre point pour nous capable réaliser de grandes choses en essayer expliquer discours McCarthy là d'abord en tant que républicain et ça a toujours fait leur fait paraître il montre que il veut travailler avant ils ont pas comprendre non donc si au départ en tant que leader il dit que bon il va le gouverner avant laisse avoir plus dit donc il dit que il t'a voulu faire progrès mais et pas tête nous mentir et ou pas joindre une résistance féroce OK on va joindre une véritable résistance de la part des républicains ou un ensemble de projets que Joe Biden gagne et c'est ça le valier c'est à nous aller sur Twitter pour nous voir est-ce que Jovenel Moïse et Gantan congratuler Joe Biden parlant de Jovenel Moïse nous connaissons un bon bail qui a parlé dans la RIA et discussion qui pétait avec Garcia Delva comme quoi il menaçait Garcia Delva ta nan maron nou e Jovenel Moïse tout qui gen un discours rondon mo on comprend on discours pa jouer et la vérité quel que soit mon nom gen doit PHTK tout monde ka comprendre que si tout on da di on mon ou pas d'accord comme da di ça on da di bon faut mon reconnaître que situation Jovenel Moïse là c'est une situation particulière journée jodi a là on a parlé de fin mandat parce que si n'a fait équilibre sans esprit fanatique c'est pas nécessairement nous dit déchouquer Jovenel non mais faut d'accord que ou pas carré bagarre là non c'est le bon et sénateur député yo pas fait tant yo ya y aller ça passé parce que même yo pas de président parce que on essaie comprendre ça m'abdou là on mettait Jovenel Moïse qui pas de président mandat est fini jodi a il pas gagne droit pour discuter comprendre bien bon sénateur te veut rester. Yeah. Mais pas le fait que Jovenel Moïse qui président, le ferme parlement, le met tout le monde dehors avant d'avoir fini. So, je ne veux pas dire, posez toutes questions. On essaie de faire en toute équité. Est-ce que Jovenel est bien placé pour le prononcer sous mandat? Jovenel n'est pas bien placé pour le prononcer sous mandat. Ça fait, première déclaration, je dis que si vous avez voulu résoudre ça, c'est dommage de ne pas gagner. Je ne veux pas dire, malgré tout le monde, chaque monde suivant partisan, il va pas discuter, il va parler de mathématiques. Mais si vous avez résoudre ça de manière formelle, je ne veux pas dire, nous devons supposer gagner un Supreme Court qui pourrait statuer justement sur la validité de continuité pouvoir de Jovenel Moïse. C'est ça, on est en analyse sans parti pris. Il est clair que son situation particulière, ou qu'on doit dire, venir avec argument pas, mais on est d'accord que son situation assez particulière, c'est ça. Vous comprenez. D'ailleurs, nous avons une nouvelle là, il y a un congrès maintenant qui a adressé avec des gens notoires, il a demandé avis par eux, le congrès américain là, et il fait comprendre que, sûrement c'est à, nous pas à confirmer, même sûrement c'est à Madame Aniga, que il a demandé avis qui le mandat a fini. Est-ce que vous comprenez? So tout le monde qui a voulu monter et a fait pour dire que vous avez garanti 100% de mandat Jovenel 2022 ou sous bluff, ok? Ou sous bluff, donc c'est ça que. Bon, faut nous dire que pour qu'on ait un tweet de la part, d'après ça, nous gardons là. Et pour qu'on ait un tweet de la part de
Jovenel Moïse et pour ta féliciter et président parce que l'a venir avec plus tard. Donc voilà guys, c'est et update nous ba pour journée hein. Et n'a venu nous pense que gain ensemble de dernières décisions de la part de Donald Trump et nous gain pour venir avec et des updates pour mettre au courant dernière action que monsieur te prend avant que il y aller. Donc voilà guys, et d'autres informations additionnelles n'a porté pour nous rappeler que n'a suivre pour bien et tout ça qui a passé dans la cérémonie aujourd'hui. Dernière information, on a porté. C'était un plaisir. Bye bye tout le monde.